Salut tout le monde, c'est Razien, on se retrouve pour un Cacminator, le troisième Cacminator avec aujourd'hui l'Appelvis Presley. Enfin non, c'est l'Appelvis tout court, mais on a bien compris le jeu de mots de merde. Golo. Golo. Alors, je vous présente tout de suite le stuff, donc coiffe du cryochrome. Anneau du cryochrome, amulette. Pourquoi je mets pas l'amulette du glor céleste comme je voulais faire au début? Parce que certes, j'aurais 6 PA, mais je perds un PA. J'aurais 6 PM, mais j'aurais plutôt que d'avoir 11 PA, j'en aurais que 10. Alors attendez, je vote. Et re les amis, donc ça y est, j'ai voté, voilà. Donc sachez que pour vraiment bien jouer, il faut 12 PA. Du coup, minimum un FMPA, hein. C'est obligatoire parce que sinon ça vaut pas trop le coup de jouer avec ce stuff. Sauf sur la version 2.0, parce que de toute façon vous pouvez donner qu'un coup de cac. Et dans ce cas là, ouais non, avec un Yop ça servira à rien. Je sais pas, avec un Inutrophe par exemple ça peut être utile. Ou avec un Sadida. Donc ensuite, bah, toute la panoplie du Cryochrome. Ensuite la cape de Théodorant Axe, on a bien compris le mode merde. Ensuite ses bottes, la ceinture glour céleste que vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, un truc qui donne des PA. Oui bah j'y peux rien, si ils font toujours des jeux de mots pourris, hein, je suis en Kama. Ensuite anneau MG Rock comme d'hab, les Dofus, une piute rouge pour tester et un chacha Angora pour tester. Faut bien savoir ce que ça vaut. Donc tant qu'à faire. Ensuite les sorts, bah voilà ce que je conseille, un truc qui franchement peut envoyer du pâté en PVP comme en PVM. Du coup c'est parti pour le combat. On va commencer donc par le push, ensuite on fera le 1 vs 1, comme d'habitude. Alors 5 PA, vous pouvez aussi vous mettre une DDM rose et rose pour avoir de la vitalité supplémentaire et un PM. Donc bah écoutez, on se booste. Et on tape en tant qu'affaire. Voilà. Oh, ça fait quand même bien mal. Pas autant que mon Xef full feu, mais Xef branlette fait quand même bien mal. Hein. Maintenant, on va tester le corps à corps. Oi, 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 ça fait mal. Et est-ce qu'on est 1 sur 2? Ah non, on est 1 sur 10. Attendez, faut que je regarde les coups critiques. Ah oui, on est quand même lourd en coups critiques. Dofus turquoise, ah oui, mais il faut que je change Dofus turquoise, c'est de la merde. Ou que je mette une ceinture qui donne plus de coups critiques, peut-être. Il faut que je vois. Donc, coups critiques ou pas, ça fait quand même bien mal. Hein. Ça doit faire très très beau coups critiques, donc attendez, point PVP. Je suis con moi. Non, Clémentine, désolé. Point start. Et on va aller s'acheter un tutu un peu plus efficace. Et on va essayer de se trouver une ceinture qui donne des coups critiques. Alors les Dofus. Parce qu'ils sont mignons avec leur tutu pourri là, mais... 16. Allez, 20 c'est parfait ça. Attendez, c'est quoi déjà le max chez les turquoises? Ah bah c'est 20. Bah parfait. Allez, 8 coups critiques de plus. Du coup, je me retrouve avec 35 CC. J'aimerais en avoir un petit peu plus. Je vais regarder les ceintures. Je ne veux pas changer autre chose qu'une ceinture, sinon la panoplie elle est foirée. Donc. Ah ça peut être pratique hein. Surtout que sur ce serveur il n'y a aucune condition, donc oh putain oui ça peut être pratique ça. Allez je le prends. Bon tant pis pour l'initiative hein. On en a déjà quand même pas mal. Alors ouais ça va, je prends celui-là. Bien sûr on a tous remarqué que ça ressemble à une ceinture avec un God Michel au bout hein. On n'est pas tous cons. Sauf certains peut-être. Voilà. Alors au niveau des coups critiques, ça en donne.
Non, OSEF, ça fait un PM en plus, du coup on se retrouve en 12-6, c'est très bien. On a 3440 d'initiative, c'est très bien aussi, même si on en a perdu un petit peu. Au niveau des stats, on se retrouve avec 671 d'intel. Oh, je crois qu'on était à 700 avec les ceintures, mais OSEF. Au niveau de la chance, on a 533. La vitalité, on en a 4200, c'est très bien. La sagesse, on a ce qu'il faut, ça va encore. 3 de portée, ça va. 3 invocations, ça va aussi, mais on s'en fout. PAPM 12-6, c'est parfait. Bonus aux dégâts, 72, 77 dommages fixes. 112, 102 de puissance. Les soins, on s'en branle. On a 31 de coups critiques. Bon, c'est pas grave. On a pas mal d'esquive PA. L'esquive PM qui est bof bof. Les résistances qui sont pas trop mal aussi. Bon, ça, on s'en bat les noix. Hein. Alors, c'est parti. On retourne en point PVP. Avec de la chance, ça sera un petit peu plus de... plus golo. Et alors, on s'en branle, connard. Alors, boost. Et rocks. Du coup, on est 1 sur 8 en coup critique, quoi. C'est pas très... Ça va parce que c'est un stuff qui est très... qui peut aller sur l'attaque de loin et... Mais je suis con, moi! Oh là là, je suis trop con, j'ai le tir critique! Mais putain, mais je suis un handicapé! Oh là là, le gogol! Ça va tout changer, ça, quel abruti! Je t'emmerde, toi! Eh ben voilà! Eh ben ça, c'est du rock, bande de connards! Putain! Nom de Dieu! Ça fait mal! Ça picote l'anus! Putain, ça me trouve le cul! Alors. Tiens! Pouh! Douille! Bah, du coup, on se retrouve en 1 sur 2 quand on fait le tir critique, mais le tir critique est obligatoire pour pouvoir contempler la puissance de cette pelle. Oh là là, ça fait mal! Ça a aucun respect. Bon, maintenant on va essayer avec le chacha Angora. Voilà. Pour voir si ça fait plus mal ou si c'est moins bien. Bah forcément, je pense qu'au niveau du feu, on va taper un peu moins fort, mais au niveau de l'eau, ça va pas être la même histoire. Bon bah écoutez, on tape un petit peu, hein, on s'en fout. Ah mais merde, fallait pas que je tape, fais chier. Ou alors que je fasse un 3 PA. Oh quel con! Bref. On vient là. Et boum! Ah oui, ça fait bien mal quand même, hein. Ouais, bah si vous voulez jouer full coup, full corps à corps, jouez avec un chacha Angora, ça va. Chacha Angora, parce que ça a boosté toutes les attaques. Si vous voulez jouer un peu plus distance, je vous conseille de mettre le piou rouge ou le piou bleu. Parce que ça sera quand même plus pratique. Quoi que vous pouvez garder chez Changora, ça sera quand même bien mal. Bah écoutez, on va faire le test des sorts maintenant. Alors. Hop. Bah écoutez, on va commencer par faire l'ultime expiation, hein. Donc au premier tour du 600. 644 en coup critique, ça va, c'est pas mal. Par contre, j'aurais peut-être pas dû me booster tout de suite. Attention. Voilà, je lui fais du 1000 sans coup critique, ça fait mal, c'est bien, c'est obèse. Et on peut enchaîner les flèches ralentissantes à des coups critiques. Ah, mais j'ai passé le tour de boost, ça fait chier.
Donc pour ceux qui se le demandent d'ailleurs, vu que je fais des cacminators maintenant, artefact, ça, le let's play d'artefact, ça va devenir du full PVP. Et le cacminator sera dès la présentation de corps à corps et un peu de stuff forcément. Voilà, du 1000 en coup critique. Oh là 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 là! Nom de Dieu, ça fait mal! Alors ensuite, on va tester la flèche ralentissante d'immobilisation. Ensuite, ça. Oh là 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 là, c'est obèse. Mon Dieu, que c'est obèse! Oh là, c'est carrément gros lard avec du diabète et tout. Alors. Oh, j'adore ce crâne, mesdames et messieurs. Le corps à corps, il est sympa. Perso, je préfère les pétoches ou les youillettes. Mais il est sympa quand même. Il est sympatoche. Ça se marie bien avec un stuff PVP. Franchement, le corps à corps, je donne une note de 8 sur 10. Il fait mal, il fait très très mal. On peut trouver mieux. Je suis sûr qu'on peut vraiment trouver mieux. Même s'il fait bien bobo. Oh là là, c'est obèse. Tiens, prends ça, mange. Tiens, prends ton casse-croûte. Blague de merde. Alors, tiens, œil de taupe. Tu vois plus rien, salace. Ensuite, je t'envoie une flèche immobilisation. J'ai aucun respect. Ensuite, les flèches enflammées. Je vais te foutre le feu au cul, connard. Grève. Poum, 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 bon enculé. Du 1100 avec deux attaques, ça fait mal, surtout si vous combinez avec ça. Taper du 1700 avec des sorts, ça fait quand même bobo. Hein. Oh là 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 là. Oh. Ouais, je vais peut-être le remplacer Xef, Mister Xef par Xef Branlette. Hein. Oh putain, mais écoutez, je trouve un défi. Dès que j'en ai un, c'est parti. Re les amis, donc ça y est, j'ai mon combat. Bah écoutez, c'est lui qui commence. Ah merde. Je sens déjà qu'il va commencer à me saouler, lui. C'est bon, tout calme. Bon bah écoutez, on va tester le corps à corps. Hein. Ah, ça fait tout de suite beaucoup moins mal. Oh, ça pique quand même un peu. Hein. Trois coups critiques à la suite. Je hais les fécas, je les hais, je les hais. Ce type m'énerve. Beaucoup, beaucoup. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je trouve mon petit cra très très sympathique, ou en tout cas son corps à corps très très sympathique. Ouah, le lag. Du coup on se retrouve pour le prochain... Non merci. Le prochain Cacminator très prochainement. Salut tout le monde.